Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée L'Aragon est dans la place. On venait de terminer notre guerre contre les... contre les Ottomans, on avait pris... Bon, on peut pas libérer Constantinople, c'est bien dommage. Mais bon, on va faire notre Mare Nostrum, honnêtement, ça s'était relativement bien passé. Tac, je mets le timer en attendant le chargement. Timer qui va pas sonner parce que on veut tellement optimiser les applications sur téléphone que maintenant, quand tu mets un timer, bah il sonne plus. Bref. Pardon, j'ai retiré l'optimisation de la batterie. Mais bon, bref, c'est pas du tout l'optique. Ce qu'on pourra faire, je pense que ça va être attaquer. Bon, déjà, calmer le jeu, bien évidemment. Calmer le jeu et... Voilà. Le Maroc, tu veux passer parce que t'es en guerre contre la Russie. Pourquoi t'es en guerre? L'Ottoman a attaqué la... Ah. Petit filou, va. Non. Tu te démerdes. Ce n'est guère mon problème. Bon, là, on va devoir... clairement... Les doctrines, elles sont où? La quantité, les prochaines doctrines, ah, c'est pas encore là. Bon, il nous reste encore à peu près 100... 150 ans à jouer, à peu près. 130 ans à jouer. Alors, on dira 150, hein, c'est plus joli. On va légitimer, bien sûr. On peut devenir défenseur de la foi. Avec Yunlu, tu veux passer? Non, si tu veux passer... Oh, mais, oui, bah oui. Bah, du coup, maintenant, t'as vu tout le monde à l'accès. C'est pas grave. On a des troupes qui sont Black Flag. Ok. On est à Valence. Donc notre état est... On va y arriver à le faire, notre Mare Nostrum. Et là, clairement... Alors, Venise, t'es allié à qui? Je crois que t'es allié à la Pologne. Donc il faudrait embarquer la Pologne dans une guerre, peut-être contre le Vatican. Ouais. Et la Pologne ne viendrait pas parce que... T'as pas de réserve militaire. Ah, fâcheux. Contre qui on pourrait déclarer la guerre? On a quoi comme revendication? Sienne? Ça me paraît pas mal, Sienne. Réserve militaire polonaise, ouais. Et la Hollande viendrait avec ses potes. Et l'Autriche. Bon, l'Autriche me fait pas spécialement peur. Parce que je pense que les troupes autrichiennes bof, quoi. Et la Hollande, c'est quoi ton réseau d'alliance? C'est... Rien. Ok. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va attendre que le jeu tout se calme, hein, bien évidemment. Il y a quand même des troupes à... Genre déjà des bateaux à un peu à se faire reposer pour commencer. On a notre limite terrestre qui a bien augmenté. Ouais, ça va. On est plutôt pas mal. Alors, on gagne déjà. Cardinal ministre, la réponse est oui. La... Ouais, ok. C'est vrai qu'on était en guerre contre eux, mais on s'en fout un peu. Là, on peut rien légitimer pour le moment. Peut-être faire le palais royal de Naples. Pff, ce qui est d'intérêt. Capacité de gouvernance, ouais, allez. Allez, pour 1000 balles, go. Voilà. Il me combien par mois? Ouais, on gagne 150, comment vous dire que... Hein. On gagne 150, est-ce que ça... On va payer un coup, ouais. Et on a des hommes, donc on va s'en servir, voilà. Et je crois qu'on a des... On n'a pas de... T'allié à qui? Constance Luxembourg. Ah. En plus, on a le CV impérialisme. C'est vrai. Donc, autant dire que on est plutôt bien. Influence sur le pape. Hop, c'est nickel. Est-ce qu'on peut reconvertir? Non, mais on va reconvertir ce qu'on peut. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Toi, ok. Le désert de Nubie. Voilà. Séparatisme Mamelouk. Séparatisme. Ok. Ah. Ah. Go. Et go. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? On a de la corruption ou pas? On en a, il y a notre surexpansion. On va se garder ça sur le coup, franchement. Voilà, hop, ça c'est fait. Retournons à la maison, au Caire.
Voilà. Séparatisme en... Ah, par contre, ça, on n'a pas de... Si, on a des troupes, mais on va se taper... Il n'y a pas de fort. Hein. Ouais, là, on va avoir du séparatisme. Bon, tant pis pour ça. Ça va péter ou d'autres. C'est où, ça? Ouais, ok, bon, on sera à côté, c'est très bien. Perte d'argent... Ouf. Il est bien notre héritier ou pas? Ah, il est très bien pour une fois. On va perdre de l'argent. Alors attendez, j'ai pas envie de prendre l'emprunt, donc on va faire. Voilà. On peut pas détourner les revenus. Ce pays est endetté. T'as combien de dettes? 800, bah c'est mort. Voilà, et là on va payer. Bon voilà, on s'est tapé du séparatisme. Tant pis pour nous. Est-ce que nos flottes sont à améliorer? La réponse est oui, donc on va le faire. Attendre le mois prochain. Mince, celui-ci je l'ai pas vu. C'est pas grave, on n'a pas. On y a un fort à côté, donc ça pose pas trop de problème. Voilà. Il va repartir tout seul, donc ça sera un problème de l'attrition. Les autres flottes améliorées, celle-ci, ok. Là, on en a combien amélioré? 4, bah go pour 4. Je crois qu'on a encore celle-ci. Ah, ça, c'est très bien, on va pouvoir reprendre le... Ah, j'aurais bien voulu attendre, mais bon. Ça, toujours pas, non. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, on va retourner du coup. Je pense qu'ici ça peut être pas mal. En termes de limite de force, on doit être pas mal maintenant. Ouais, on peut en faire 10 en plus. Et ben, on va compléter ce stack. On va faire un trop. Voilà, on va monter à 15. Non. T'as combien toi? 15, 2. Ok, on va monter à 15. Voilà qui est fait. Et toi, une fois que tu seras arrivé à Tanger. 2. 1, 2, 3. Voilà, là on sera pas mal. Anub, ça va péter dans le désert de Nubie, ok. Tout en sachant que là, ça va bientôt être terminé. Hein. Pas grave, ça me permet à mes bateaux de se replier au port et de permettre leur amélioration. Go, voilà. Là, on va attendre avant de légitimer parce que ça va bientôt être terminé. Alors, la Rioja. La Rioja, c'est quoi? Rioja, c'est... La Rioja. Franchement, ouais. Moi, c'est pas grave. Voilà, on peut prendre. Hein. On pourrait faire ça. Ouais, et encore. Non, on va laisser s'améliorer, ça. Hop. Là, on est en train de booster nos troupes. C'est très bien. C'est... On est à max. Ouais, on est maxé, là. On a quoi, là? Ok. Encore une fois, on va attendre ça. Voilà, ça va nous faire du bien. Alors, c'était quoi? C'était... Hop, 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 hop. Tac. Et pour légitimer, on en est où? Agadir, voilà. Voilà, tout ça, ça va nous faire du bien. Et maintenant, on va pouvoir convertir tout ce beau monde. Ma petite Constantinople. On pourrait devenir défenseur de la foi, mais bon. Un gars qui nous fait plus d'eux de missionnaires, ça serait bien quand même. On te vire à la rigueur. Voilà, lui il est bien. On peut prendre une aptitude d'air. Bah écoutez, prendre celui-ci. Et bon, là on va attendre bientôt le max. Donc autant prendre quelque chose d'intéressant. Le mercantilisme. Et la corruption. Voilà, comme ça.
La corruption, elle va baisser. Ok, on continue. Chypre. En termes de limite terrestre, on est toujours bon. Succession contestée au Brunswick, c'est pas grave. Alors toi, qu'est-ce que t'as? Est-ce qu'on reconstruit des galères? Ouais, on va en reconstruire peut-être. Genre 20 galères. Ah non, genre 10 galères. Genre 10 galères qu'on va reconstruire. Écoutez, on va le reconstruire ici. Allez là-bas. Voilà, et on va reconstruire une dizaine de galères, je pense. Ou peut-être 30 vaisseaux, comme ça. Ouais, on va faire 30. Merci. Voilà, 30. On pourrait faire des beaux débarquements. Et là, on va compléter en galère. Voilà. Alors, où ça a pété? Séparatistes, orthodoxes, ah, machin, on y va. Voilà. Tu veux de la thune? Non. Ouais. Pas arrivé non plus. Hein. Voilà. Et là, en finance, je pense qu'on est encore mieux qu'avant. Ouais, 140, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on peut construire peut-être des universités? On va tapisser le pays. L'université, toujours la même logique. Alors, Tlemcen, le Caire, Constantinople, on peut pas encore. Ça, on va le faire ici, on va le faire à Athènes, on va le faire là. Voilà. Nos réserves militaires, on est là. 15, ok, conseil disponible. Et bon, merci les Marocains. Ouais mais mec là tu me saoules avec tes guerres là en fait. Je me permets de te l'expliquer brièvement, tu me saoules. Hein. On va faire ça. C'est juste histoire de récupérer un peu de puissance et de par notre allié également. On va prendre un Nostac qui n'est pas disponible. Tu sais quoi toi? Ouais, on est deux là, toi tu peux courir un peu partout. Tu vas aller là-bas. Voilà, fais le tour et quand tu seras là, on attaquera. La prod, il y a des trucs intéressants ou pas? Pas encore commerce, je pense quand même. Voilà, déjà c'est bien. On va voir tout un tas de séparatistes. Je pense que l'état de Constantinople est... C'est pas encore légitimé peut-être, non? C'est pas encore légitimé. Ok. On attendra. Il faudra faire le tri dans nos... trucs. Voilà, on recrute. Nos... Fais un mec en plus. Donc toi t'as 15-6. Toi je crois que c'est toi qui est pas plein. Voilà. Bon, je pense que ça va se calmer, là, les... Ouais, on a de la lassitude de guerre, ouais. Ah, on a plus le mécontentement, ça, c'est très bien. On va continuer là, quand même. Voilà. On n'a jamais trop d'argent. Compétence 3, un conseiller de productivité... Bon, ça... Non, on va prendre de l'argent. Hop. C'est juste pour avoir le dernier niveau, un missionnaire plus 1. Et...
Ok. Mariage royal avec la France. Ok, on prend. Ensuite, on n'a rien d'autre en magasin. Là, notre armée arrive. Légitimation vont se terminer incessamment sous peu. Et on pourra faire venir la Pologne qui va récupérer ses réserves militaires, j'en doute pas. Là, franchement, France. Tu me saoules. Une guerre contre qui du coup? Bon, on va accepter, mais bon. C'est vraiment la dernière. Ah, tout ça c'est terminé. Tac, 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 tac. Et du coup, on peut en faire un état? Oui. On va dépasser notre capacité de gouvernance, mais bon, vu l'état de Constantinople, hein, voilà. Et on va prendre dans les états, on va faire un peu de ménage dans les états. Oui, je sais, il faut légitimer, mais avant de faire ça, c'est les états. Les états par développement. Voilà, les Baléares, honnêtement. Hein. Casse-toi. Émilie-Romagne. Bon, celui-ci peut être utile. Côte de Barbarie. 28. De toute façon, c'est simple. Hein. Il faut que tous ceux en haut soient des États. Là, on a 42 en Tripolitaine. En Macédoine, on a 37. Tout ce qui est en dessous, pour moi, ça dégage. Genre la Sicile. Bon, ah, Sicile, quoi. Le Téné. Bah, ça, exemple, ça dégage. Voilà, hop. Et on peut reprendre. Déjà, ça, on va le légitimer. Hop, on est à combien? Ouais, on va faire encore une fois le ménage. Hop là, on va légitimer ça encore une fois. La Sicile, ok. Le Maroc septentrional, ça dégage. Et les îles méditerranéennes, c'est la Corse et tout ça, ça dégage. Voilà. Maintenant, on a 24%, c'est pas beaucoup, je trouve. Il nous faudra un autre marchand en fait. Celui-ci, tu fais quoi? Tu transfères vers Gênes 6. Honnêtement, collecte les revenus du mec qui est à Raguse. Hop là. 8 jours. On va voir ce que ça donne. Il faudra bien sûr protéger le commerce. Ouais, c'est vachement mieux, je pense. On gagne 10 ici. Et on pourrait faire un carrefour mondial. Ah, parce qu'on est en temps de guerre. Eh ben, on va juste améliorer. Y a pas de carrefour commercial là-dedans. Voilà. Et construire un autre truc, genre. On va le développer peut-être une fois en commerce du coup. Et voilà. Et là. Voilà. Mieux, non? Et on va continuer de convertir. Hop. On va prendre un mercantilisme. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une culture en avant? Là, ça me permet. On dépasse un peu notre capacité de gouvernance, mais avec le palais qu'on va faire à Naples, ça va calmer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre une culture en avant? Oh, la culture. Faut virer la culture tunisienne. Là, franchement, Tunis, on n'en a pas besoin. Là, ici, on gagne 15, c'est pas mal. Là, on fait rien. Là, on transfère. Là, on pourrait être. On gagne, c'est très bien. Là, on transfère, c'est énorme. Et là, on gagne combien? On gagne pas beaucoup ici, mais bon. On pourrait refaire des bateaux. Voilà, on va refaire des bateaux. Même si c'est que deux frégates, c'est deux frégates. Voilà. Je ne fais rien pour cette guerre. J'attends vraiment que. Ceci étant dit. En Pologne. Ah, oh, t'es en guerre, tu sais. Contre l'Islande, je pense que. Hein. Bon, déjà, mariage royal. Que tu te prépares à la guerre.
Le 5 mai, ok. Je suis pas sûr que t'acceptes par contre, hein. Ouais, parce que t'es déjà en guerre. Ok. Bon, après, honnêtement. Ouais, quand même. Non, pas de. Oui, bon, voilà. Il y aurait qui viendrait? L'Autriche, t'es allié à. Ouais, bah là, je vais venir toute la Savoie, d'accord. Mais ça sera l'impérialisme. Ah, on peut pas parce que le Serge. Ok. Et toi, la France, t'es en guerre là? Et on est en guerre dans le même camp contre toi. Oh. Ah non, 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 c'était Venise. Venise. Non, c'est la Pologne qui est en guerre, mais on est. Ah, faut être polonais, il y en a. France, t'es allié à qui? Aragon, Igor, c'est Salut. Salut, c'est ça. Non, mais le pape en co-belligérant. Et Bologne, on verra plus tard. Ça me paraît pas mal, mais on est déjà en guerre. Ah, nous ne pouvons pas déclarer. Pourquoi? Salut, c'était en guerre contre une. Ma merde. Et ça, et si je fais venir. Bon, on peut déclarer la guerre au pape, hein. Il nous aimera pas, mais bon. Voilà quoi. Par contre, 60 000 hommes de pape, c'est peut-être un poil beaucoup. Voilà. On va attendre un peu. Ormus, tu veux passer si tu veux. On va faire un réseau d'espionnage en Paponie là. Ottoman. T'es en train de la perdre ta guerre. Hein. Ouais. Bah nous ce qu'on va faire c'est qu'on va retarder les recrutements. Voilà. Et on va continuer de convertir. Voilà, je te fais tout le tour. Ah, la guerre est terminée. Attendez, alors là, du coup, il y a peut-être un move à faire. En 1000 papes. Tiens, reviens-toi. Si on attaque Venise, du coup. La Pologne viendrait. Donc, il faudrait embarquer la Pologne contre Florence, qui était notre objectif primaire. La Pologne ne viendrait pas, mais du coup. Pologne, est-ce que tu accepterais maintenant de te préparer à la guerre? T'es où? Non. Pologne est en guerre, tu fais chier. Ce serait pas la Pologne, du coup, bah on pourrait s'attaquer au pape, hein. Salut, ça m'embête un peu quand même. À la rigueur, on déclare la guerre au pape, on fait venir la France et on bouffe Saluse au passage. La France, tu viendrais pas parce que t'as des dettes et ça déstabilise la France. M'étonne. Ouais. Mais le pape, par contre, il nous faut une autre grosse armée. Hein. Il nous faut une autre grosse armée. On va prendre l'armée de. Ouais, notre limite terrestre est un peu dépassée, c'est pas grave. T'as combien de. Juste pour voir militairement parlant, les armées nationales du. Pape. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Rome, État pontificaux, pardon. État. État. État pontificaux, avec un E majuscule, bien évidemment. T'as. Ok, t'as des réserves, c'est bien. Mais en termes de morale, t'es où? Ah non, ça c'est flotte, pardon. État. Pontificaux. T'es à 3-8. Ça sera 4 versus nous qui sommes à 6. Donc 2 stacks ce serait largement suffisant. Surtout que là, ah, t'as des canons quand même. Bah écoutez, ça peut être envisageable. On va se juste dépêcher ce stack là pour être tranquille. Birmanie nous a rivalisé. Bah écoute, c'est que tu. Ennuie un peu. Est-ce qu'en termes de bateaux, on est bon? On a encore 2 bateaux en construction. On va attendre que la flotte arrive.
En termes de machin, 5 ans, tactique militaire. Vitesse zéro couvrement, mais on gagne que 8. On va attendre du coup. Voilà. Donc là, on va déclarer guerre aux. Ou à Sienne. Mais l'idée, c'était de faire venir la. De faire venir la Pologne. Pour ça qu'on va se faire plutôt le pape. Pour Rome, voilà, go. Je pense qu'on est pas mal là. Ok. On peut tenter une grosse bataille. À Rome directement. On peut tenter d'aller là, directement bloquer leur port. Ça leur fera les pieds. Voilà, on va aller à Rome. Voilà, ça donne quoi ça? Moins 57. Ouais, bah là, écoutez, feu. Ou alors. Ouais, on va faire ça. Et je crois qu'on a, pour augmenter notre capacité gouvernementale, on a plein de points. Et on va augmenter de ça, 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 de ça. Voilà, on est bon. Et on peut faire plein de nouveaux états. On verra parce qu'il y aura l'état de Rome à faire. Il y aura l'état de Rome. Est-ce qu'on pourrait faire un truc? Non, il n'y a rien à faire. Ah, on peut pas dé... En paix avec les... Ah, intéressant. On continue de convertir, c'est pas grave. On va aller là-bas. Ah, et ben là, ils vont sûrement nous attaquer, moi c'est ce que je ferai. C'est pour ça qu'on va pas y aller. Ah ouais. La Bretagne arrive, bon, je pense que. Ouais, voilà. Ça sera fait comme ça. Portugal qui tente un petit débarquement, c'est adorable. On va prendre le. Je pense qu'on prendra Rome aussi, tant qu'à faire. Mais on risque d'avoir la plus grosse des coalitions de l'univers sur le coin de la figure. Rome, t'as combien de devs? 43, ouais, quand même. Mais bon, on a ça, quoi. Bon, on a pris Rome. On va regrouper l'armée. C'est quoi? C'est un terrain plat. Donc on peut aisément y aller. Oui, alors, pause. J'ai juste envie de faire cette bataille. Non, parce que. Il y a un port qui bloque. On va aller à ici, c'est pas grave. Et on va aller de l'autre côté de l'Adriatique. Ah, on peut prendre une tech en avance. Laquelle? Non, on va pas prendre celle-là. Par contre, on a beaucoup d'argent. On pourrait devenir défenseur de la foi. Ouais, non. C'est gentil de poser la question. Est-ce qu'on pourrait construire des choses intéressantes? Non, ok. Commerce peut-être? Non, pas spécialement. Armée, ouais, ça c'est pas mal. Limite terrestre? Pour augmenter un peu la limite terrestre en x2. Voilà, bam 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 bam. Voilà. Là, on va en profiter pour faire péter parce que j'ai pas que ça à faire. Mais on continuera cette guerre au prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens.